Bismillah. Ses amis demandent au guerrier de la lumière d'où lui vient son énergie. De l'ennemi caché, dit-il. Ses amis lui demandent qui est cet ennemi. Le guerrier répond, quelqu'un que nous ne pouvons pas punir. C'est peut-être un gamin qu'il a battu lors d'une bagarre durant son enfance, la petite amie qu'il a quittée lorsqu'il avait 11 ans, le professeur qui le traitait d'imbécile. Quand il est las, le guerrier se rappelle qu'il n'a pas encore eu l'occasion de prouver son courage. Il ne pense pas à la vengeance parce que l'ennemi caché ne fait plus partie de son histoire. Il pense seulement à accroître son habileté pour que ses exploits fassent le tour du monde et parviennent aux oreilles de celui qui l'a blessé autrefois. La douleur d'hier s'est transformée en force d'aujourd'hui.